Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène au parc Pastré où les parcs des Calanques, il s'étend sur 12 hectares sur Marseille. Et en sachant que le parc Pastré regorge en fait d'histoire, surtout la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus important. Là, on est sur un site en fait, là où il y a le Grand Canal de Marseille. Il y a des endroits un peu mystiques, tout ça, et moi j'adore ça. Bah, tout à l'heure, j'ai dit 12 hectares et je viens d'apprendre en fait que c'était 13 hectares et demi. Dans tous les cas, ça fait grand, 12 ou 13 hectares, c'est immense. Je ne sais pas si vous l'imaginez. Alors, vous avez vu que le canal date depuis 1924. Ça fait vieux. Parc Pastré a été racheté en fait par Eugénie Pastré. Et voilà, et sa femme, Lilith Pastré, pour une maudite somme de 31 000 francs. Wow, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais je le marque ici. Au début, il s'étendait seulement sur 7 hectares. Ensuite, il s'est amusé à racheter beaucoup plus d'hectares et parce que c'était un grand joueur de polo. En sachant que Lily, c'était une amourette de l'art. Elle faisait du piano, elle aimait l'art, elle aimait la fête et surtout les artistes. On va s'enfoncer plus dans la forêt et je vais vous raconter l'histoire de Lily. Voilà, le château de Pastré qui est très reconnu. Lily, elle a divorcé de Eugénie Pastré. Elle a gardé ce fabuleux parc et ce château. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lilith Pastré a utilisé en fait ce château pour faire réfugier tous les artistes juifs, pour les cacher là-dedans parce qu'à l'époque c'était privé. Je pense que je me suis perdu dans la forêt. À la fin de la guerre, Lilith en fait se consacra beaucoup plus sur les pauvres à Marseille. Alors elle a donné un bout de son terrain à l'abbé Pierre pour l'Emmaüs. Je ne sais pas où je suis. Mais, dans tous les cas, j'y suis. Les amis, je crois vraiment que je me suis perdu complètement là. Bon, cette visite guidée, elle est un peu bizarre parce que je me suis paumé dans la forêt. Bon les amis, je suis vraiment désolé si tout à l'heure je disais Lilith, mais en fait c'est Lily Pastré. Lily Pastré a fait promouvoir le festival de la musique, les festivals de l'opéra, et le château, c'est devenu en fait le musée de la faïence. Dedans, il regorge environ 7000 ans d'histoire. Truc de ouf quoi. On s'y perd facilement en fait. Bon, je vais pas vous mentir, je suis perdu depuis tout à l'heure. Je tourne en rond je crois. Je suis comme dans Minecraft. Quand vous n'avez pas de repères dans Minecraft, vous vous tournez en rond. Pour les connaisseurs de Minecraft. Là, on arrive au pied de la colline. Avant de mourir, Lily Pastré a demandé à la ville de Marseille que ce château, ce parc, qu'il se soit ouvert au public. Que les familles peuvent se recueillir autour d'un pique-nique avec des activités sportives, des activités centres aérés. Lily Pastré, c'est une bonne femme. Voilà le château, ce joli château de Parc Pastré. Bon les amis, moi je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, sinon la dépollution samedi dimanche, attention, demain il y aura vidéo Pokémon, voilà, rien à voir avec cette sortie magnifique, avec l'histoire de Lily Pastré. Allez, ciao ciao.